l'horizon. Cet événement sportif majeur qui occupe notre attention et qui fait notre fierté en tant que Guadeloupéen, a fonctionné en tant que collaborateur de Guadeloupe Première, nous donne le privilège de nous retrouver ensemble ce midi. La direction donc était toute heureuse de vous adresser cette invitation, puisque nous sommes honorés de la présence de notre direction générale, mais aussi de la présidence. Donc, je ne tarderai pas à lancer dans la parole tout de suite à Mme Jean-Goul, qui permettra à ces personnes de s'exprimer. Merci, Patrick, de faire très serein. Je vous remercie de la part de la crise, de la crise de nos collaborateurs, de nos amis, pour vous, nous sommes cette chaîne de service au public, et c'est qu'on prend une super chance avec un état de la crise de la crise. Là, en l'occurrence, je suis votre invité. Je voudrais vous saluer toutes et tous. Vous dire ma joie d'être en Guadeloupe pour une période un peu courte. Mais ça me permet d'abord de rencontrer les équipes qui font un travail formidable, et notamment en ce moment autour de cet événement. Et puis de retrouver un certain nombre de personnes que je connais bien, et puis même de retrouver des gens que je n'ai pas vu depuis 40 ans, et que je suis absolument enchanté de retrouver. Nous étions ensemble au service militaire, et on s'était perdu depuis 40 ans. En tout cas, la mission de France Télévisions, elle est relevée ici, et notamment lors d'un événement comme celui-ci, parce que c'est quoi la Route du Rhum ? C'est finalement le fait de partager autour d'un grand événement populaire des émotions, mais aussi une passion pour la mer, la voile, pour cette région. Et je suis ravi d'être là, d'être au Canada, et vous saluer tous très cordialement. Merci beaucoup. Merci. Salut la présence de notre directeur général du réseau Première, M. Michel Portier. Vous faites la bienvenue et je vous souhaite un bon appétit et par contre, vous êtes avec nous. Merci. Merci.